On va parler en même temps, là. Moi, j'ai une question, alors, pourquoi vous avez fait ça? Alors, expliquez-nous, pourquoi vous l'avez fait? Vous avez choisi. Pas tous à la fois. Pas tous à la fois, et encore... Voilà, c'est ça. Et on commence avec vous, Violaine. Alors, encore Violaine, pas encore, oui. Tout à l'heure... J'ai commencé tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un petit... Une mise en bouche. Petite entrée, maintenant, on passe au plat de résistance. Très rapidement, Violaine, historienne, écrivain, journaliste, radio, télé, on vous a vu un peu partout, et beaucoup de bouquins. Oui, c'est le 60e. Oui. Traduit dans une cinquantaine de pays. Oui. Bon, voilà, une certaine crédibilité. Et puis, ce que disait tout à l'heure... Une certaine, oui. 60, j'espère. Mon Dieu. Une crédibilité certaine. J'ai mis à l'envers. Ah, je préfère, voilà, François. Voilà. Oui, merci beaucoup. Les derniers, je me rappelle, je vous avais reçu dans une autre émission, c'était pour parler de l'enquête que vous avez faite sur la mort de Toutankhamon, entre autres. Oui. Et là, premier bouquin, les véritables inventions des Égyptiens. Les Égyptiens. Ah, je me suis beaucoup amusée avec ce livre. Alors ça, je vous dis franchement, je le dis rarement, mais je me suis amusée à le faire parce qu'en fait, depuis 20 ans, j'aime bien comparer les sujets d'actualité avec les sujets d'autrefois. Et j'avais une chronique sur RMC que j'avais créée qui s'appelait « On n'a rien inventé » parce que vraiment, on peut tout comparer. Je me souviens, quand le Viagra est arrivé, on en parlait énormément, on disait « Oui, mais alors, est-ce que l'équivalent du Viagra existait autrefois. Il y avait déjà une plante, peut-être. Il y avait déjà des plantes, bien sûr. Il y avait déjà des décoctions qui faisaient que... Bon. Et donc, en fait, on peut quasiment tout comparer. Bon. Et après, bon, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses dans les connaissances du peuple, on va dire, qui étaient erronées. C'est-à-dire qu'on pensait que les Mésopotamiens avaient inventé, par exemple, la connaissance des planètes. Bon, ce qui est pas forcément le cas, puisque les Égyptiens avant eux connaissaient, que César avait inventé notre calendrier. Ben non, parce qu'il l'avait déjà repris aux Égyptiens qui déjà découpaient l'année en 12 mois et puis le jour en 24 heures, etc. Et ça va donc du dentifrice. Voilà, quand est apparu le dentifrice? Alors, quand est-ce qu'il est apparu, justement, le dentifrice? Eh bien, l'époque des pyramides, les Égyptiens connaissaient déjà le dentifrice. Et le dentifrice mentholé, en plus. Bon, mais dentifrice mentholé... Mais c'était pas forcément en tube. Oui, c'était pas en tube. Mais ils avaient des brosses à dents. Ils n'avaient pas non plus une rose rouge pour... Et qui étaient, en fait, les rhizomes... Vous savez, les rhizomes des plantes, les rhizomes des... Ils sautaient du haut de la pyramide. Ils utilisaient les tiges de papyrus. Donc, comme des brosses à dents, ils mettaient donc cette pâte mentholé et ils se brossaient les dents. Donc, inversement, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas inventées et on pense qu'ils sont les maîtres du monde. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Il y a de l'investigation. Oui. Enfin, il y a de l'investigation si on veut. Oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai récolté tout ça à force d'aller travailler en Égypte sur mes pharaons, puisque je travaille depuis plus de 20 ans sur les pharaons de la 18e dynastie, Toutankhamon, Néfertiti, etc. Et bien évidemment, on rencontre des choses sur la vie quotidienne. On trouve des choses sur la vie quotidienne. Alors, je travaille en Égypte, mais je travaille à Chypre, je travaille dans tout le bassin méditerranéen, que ce soit en Syrie, Liban et tout. Et donc, c'est vrai que même sur les petites choses de la vie quotidienne, on finit par à la fois découvrir des objets, et puis des renseignements aussi dans les textes, bien sûr. Vous rendez dans les bibliothèques, vous allez voir les gens. Mais on trouve... Bon, bien sûr, je me rends bibliothèque, bien sûr, il y a tout l'aspect livresque. Mais ce qui est intéressant au-delà, après, c'est d'aller sur le terrain et puis de participer à des fouilles ou d'organiser des fouilles, puisque voilà, pour pouvoir justement aller plus avant. Et donc, ce qui me plaît, si vous voulez, c'est quand même d'apporter ce qu'on ne trouve justement pas dans les livres ou essayer de remettre les choses vraiment dans leur véracité. Voilà. Et donc, je vous dis franchement, moi, ça m'a beaucoup amusée. Que les pensions alimentaires existent à l'époque. Ah oui. Les pensions alimentaires, les Égyptiennes déjà cherchent à divorcer pour avoir les pensions alimentaires. Toutes ces choses-là, c'est vraiment passionnant. Ce que je dis, c'est que les hommes faisaient attention de ne pas tromper justement leur femme parce qu'elles récupéraient leur dot qui était souvent importante et elles réclamaient des pensions alimentaires extrêmement élevées. Ça, c'est pas déjà si tu sortiras avec la femme. C'est conséquent. Et puis, autre livre aussi qui va sortir aussi un peu plus tard, oui. C'est Nitocris. Le 1er février, c'est un roman.
comme j'en ai écrit beaucoup, roman historique sur Nitocris à l'époque des pyramides, mais alors sous forme, parce que Nitocris, on ne sait pas trop comment elle a vécu, sous forme un petit peu de secret de famille et de polar. Oui, Nitocris, elle commence par rechercher ses origines. C'est-à-dire qu'elle surprend au début du livre une conversation entre le roi, qui est son oncle, et sa mère, qui est la grande épouse royale, la reine. Et là, elle apprend qu'en fait, elle n'est pas descendante du pharaon décédé, donc elle ne serait pas princesse. Mmh. Et elle va rechercher ses véritables origines en allant même jusqu'à s'allier avec des pilleurs de tombes pour ouvrir, entrer dans des pyramides pour aller trouver des documents. Et tout ça sur un fond historique, vrai. Bien sûr, l'époque des pyramides. Les pyramides. Et voilà, et on découvre plein de choses, en particulier qu'on a idée que les pharaons, c'est à l'époque, c'est un roi, puis tout le monde obéit. Non, c'est plus comme un président de la République, c'est un haut fonctionnaire. Voilà. Alors c'est une image complètement fausse. Le pharaon, à l'époque, c'est un haut fonctionnaire, comme notre président, oui, et qui est sans arrêt mis en péril par les autres fonctionnaires qui veulent sa place, et les ministres aussi qui veulent sa place. Et donc, on s'aperçoit que finalement, le roi, il n'a pas un pouvoir aussi immense. Et puis, c'est une époque très, très mouvementée, où les bédouins du Sinaï veulent prendre le trône aussi. Mais il n'y a pas de système de vote. Il n'y a pas de système de vote, mais enfin, quand on boute le pharaon hors de chez lui ou qu'on attente à sa vie, eh bien, on s'en débarrasse aussi facilement. Donc, c'est le vote ancien. Et puis, une Égypte, à l'époque, c'est très intéressant, partagée entre le sud et le nord. On connaît ça dans d'autres pays, où les deux régions ne peuvent pas s'encadrer, il faut bien le dire, et où elles vont jusqu'à se faire la guerre. Donc, c'est pas du tout la grande Égypte que l'on pense des pyramides, mais c'est un pays qui est divisé avec un tas de problèmes. Et donc, évidemment, le pharaon doit lutter et Nitocris doit s'imposer au milieu de cette jungle. Et puis, on reviendra aussi sur le roman qui sort aussi le 11 février, Amoureusement drôle, tout à l'heure. Et il n'est pas question de Toutankhamon dedans. Hein. C'est vraiment un autre registre, rien à voir. Tout à fait un autre registre. Donc, on a décidé de vous mettre dans un bloc un peu Saint-Valentin, un peu plus glamour, un peu plus tard. Voilà. Histoire d'amour, justement, on y vient avec Osée Joséphine, l'étoile de Napoléon. Au théâtre du Petit Héberteau à partir de mardi, le 9 janvier, de 19h du mardi au samedi. Du mardi au samedi, c'est ça. Voilà. Alors, reprenons rapidement l'histoire de Joséphine en quelques mots et de Napoléon. Joséphine, c'était la femme, la première femme ou la première, grand amour de Napoléon. Premier grand amour et découverte.